Alors pour moi, un incontournable, c'est Les Chroniques de San Francisco de Maupin. Il y a plusieurs volumes, doit y en avoir, je sais pas, 8, un truc comme ça. Et non, 6. Et c'est le portrait d'une époque, c'est San Francisco juste avant les années 80. Enfin, ça démarre, si mes souvenirs sont bons, 78, 79, un truc comme ça. Et c'est le portrait d'une époque, c'est le portrait d'une ville, c'est le portrait d'un changement, et c'est le portrait surtout d'une bande d'amis qui se forme autour d'une maison d'hôte un peu idéale, tenue par une dame un peu excentrique. Voilà, c'est le portrait de plusieurs personnages et le portrait de leur amitié qui démarre et qui se poursuit sur 6 volumes jusqu'à se déliter éventuellement pour certains membres. Mais voilà, c'est humoristique, il y a beaucoup de suspense, de l'efficacité, c'est très touchant, il y a tout. Tout est dans ce livre. Voilà.